ولد في إسبانيا المسلمة وتوفي في مراكش فكان جمع بين الانتماء إلى الغرب وإلى الشرق. C'est un peu le trait d'union. C'est un peu notre cas aujourd'hui. Quoi, avec la différence, on n'est pas à la hauteur d'Averroès. Il peut y avoir des gens qui sont à Averroès, ils shahada, ou bien ils vont dire, tiens, voilà, je suis la descendance d'Averroès. Tout en sachant qu'Averroès ne fait pas l'unanimité chez les musulmans. Il est un sujet de controverse. تهافت العلماء وتهافت التهافت وما جرى بين ابن رشد وبين الغزالي بعد حتى كتبه حرقت يعني في بسبب لو ديستان لو ديستان ديال افيرواز ديال سميتو يوسف شهيد فيتكلم على بيت بوك بيان سور دو هذا ولكن il parle de l'histoire d'un homme. خرب الله يجزيكم بخير. حتى الكونفيرونسي تالي جوسكا دير كو فينالمون لا لايسيتي اوكسيدونتال il tire ses origines des écrits d'Averroès. Ça il a justement vanter les mérites en quelque sorte d'Averroès. Et quand on avait choisi, nous, à Nuzid l'Iman, une référence qui est Averroès, nous ne voulons pas aller au-delà de la Méditerranée pour choisir d'autres références, et Dieu sait, on en a. Mais ça, c'est une de nos références. C'est une référence musulmane, walakin occidentale. Nous sommes dans l'Aqal, nous sommes en train de faire quelque chose d'inédit. Wallahi al-Azim, en Occident, quelque chose d'inédit. Et ce que nous cultivons à nos enfants, quelque chose d'inédit, c'est être fier de ses origines arabo-musulmanes, être fier de sa langue, de son histoire, mais en même temps, assumer toute sa citoyenneté et en être fier. Mais nous avons le reproche, on ne crée pas l'esprit de culpabilité, on culpabilise personne. On s'épanouit en tant que musulman, mais en même temps en tant que citoyen. Mais nous demanderons tous nos droits. Bien sûr, rien que nos droits, on ne demande pas plus. Walakin, on occupera tout l'espace que nous offrent, alhamdoulilah, les lois dans ce pays sont très généreuses. Mais on les occupera. Et on demandera, et hier j'ai dit, bon, il y a une loi qui est sortie interdisant à nos sœurs de porter le foulard, entre guillemets, une loi laïque. Mais malheureusement, nous respecterons cette loi, on n'est pas dehors de la loi. Mais nous vous disons que vous avez raté un rendez-vous avec l'histoire. Vous n'avez pas su comprendre une catégorie de musulmanes françaises qui ont à un moment donné opté pour un choix vestimentaire. Vous n'avez pas voulu le comprendre. لان هذه البنت اللي كدير الحجاب في هذه البلاد عمره ما قال شيء انا ندير الحجاب وغادي نكره وغادي نرمي وغادي نرفض الحضاره الغربيه. هي جزء من الحضاره الغربيه لكن لها تقاليدها ولها اعرافها ولها قيمتها ولها دينها، يجب ان يحترم هذا الامر ايها الاخوه. لكن اعود واقول، لن تحترم الا اذا احترمت نفسك. Tu ne seras pas respecté tant que tu ne respectes pas, tu ne te respectes pas toi-même. Et parmi les éléments du respect notamment, c'est être fier de ta particularité. Alors ce qui fait la particularité, ce qui fait la France dans le monde, c'est la particularité française. On est là. La particularité française, elle est mise en avant à chaque fois qu'on parle de la mondialisation. On parle, non ? La spécificité française, et d'ailleurs nous soutenons ça, et nous défendons ça. La spécificité française, la particularité française, l'histoire française, la République française, la laïcité à la française, mais c'est bien. C'est bien. Mais continuons avec la même règle. Avec la même règle. Juste, au sein de la France, il y a des spécificités. Il y a un socle commun que nous partageons tous. Liberté, égalité, fraternité. Il y a, ce sont nos idéaux, nos valeurs. Voilà qu'il au sein de la société, il y a des spécificités. Spécificités chrétiennes, spécificités juives, spécificités protestantes, laïques, agnostiques, musulmanes. Et bien comme on a une règle, c'est que nous défendons la spécificité française et la particularité française sur la scène mondiale, respectant le même repère, respectant-le au niveau national. Et la différence ne fait qu'enrichir les relations.
La différence, ça n'a jamais été, il y a au contraire une richesse. Une richesse, être différent des autres. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات الخصوصية الثقافية أو خصوصية الجالية المسلمة في هذه البلاد أو المسلمون المنحدرون من أصول عربية تقول الآن كلمة الجالية il faut la bannir, on parle plus de communauté aujourd'hui, on parle plus de communauté, c'est fini. Quand la communauté européenne aujourd'hui on parle de quoi? Donc on parle de quoi? De l'Union européenne. واش كاين شي حد مازال كيهضر على السي او؟ اللي كيهضر على السي او راه متخلف مازال. سي او او le marché économique européen. Même pas la CE. Ils ont commencé par le marché, aujourd'hui nous sommes dans l'Union européenne. Nous, on était une communauté. On était Jalia, aujourd'hui on n'est plus Jalia. Nous sommes des citoyens français de confession musulmane. Qui dit mieux? Au même titre que les autres. Et quand on a dit que l'Amérique est comme ça, les jeunes notamment, disent Omar, il insiste sur les évidences. C'est pas la peine d'insister à Omar, là, ça fait nous te comprenons. Mais quand même, qu'il y a un alpha pour cent. Un alpha pour cent de ce qu'on appelle les gardiens du temple. Les gardiens du temple, je dis Omar. Et là, occidentaux, jamais. Et là, je suis occidentaux, je dis Omar. Mais il y a la colle de Billahi Ali. Wallah, mais il y a des gens qui ont fait ce sujet. Mais il y a des gens. Au contraire, Anna, j'essaie de te renforcer dans ce que tu étais et dans ce que tu es aujourd'hui. J'essaie de te renforcer. Parce que quand on te regarde, on te respecte. Hein? Parce que tu as pris en compte et en considération tous les facteurs de la sédentarisation, de la stabilité, du renforcement. Indirectement, on va voir un peu dans ton histoire, dans ta langue, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu véhicules comme idée, comme valeur. Un massif pour le moment, je suis. Et à chaque occasion, il y a lui qui le montre, à chaque occasion, tu le montres. Anna, je suis un étranger, hein. Anna, je suis un passager. Je vais à la marge. Continue à la marge. Tu n'auras jamais ta place ici. Et tant qu'on n'a pas notre place ailleurs, dans ce pays, on ne sera jamais respecté. Et donc, assumant notre citoyenneté, mais en même temps, affichant notre spécificité. Qui essaie d'être musulman, mais musulman de maintenant, c'est pas musulman d'il y a de jadis. Mettons-nous d'accord aussi. Parce qu'on peut vivre son islamité, walakin, qui date de plusieurs siècles. Et l'islam a toujours été conjugué au présent et au futur. Le passé est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Mais la bibliothèque, il te sert quand? T'es pas tout le temps en train de regarder la bibliothèque. Chacun de nous, il a une bibliothèque à la maison. Combien on y passe de temps? On la consulte quand on veut faire une recherche. Quand on cherche quelque chose. On consulte la bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons une bibliothèque d'Internet. Voilà-t-il, quand tu fais une recherche, tu consultes ta mémoire. Tu consultes ton héritage. Tu consultes ton passé. Mais tu ne peux pas vivre sur le passé. C'est comme l'autre qui regarde dans le rétro tout le temps. Imaginez un chauffeur qui conduit un véhicule et tout le temps en train de regarder dans le rétro. Le rétro, il est petit. Yeah. Souvent, il est à gauche. À l'aise parce que peu importe. Le rétro, il sert le conducteur. C'est pas le passager. Le passager pour le canari ou c'est la destination. Mais il est jamais. Et il regarde, de temps en temps, il jette un coup d'œil. Dans le passé. De temps en temps. Mais regarde où le chauffeur? Le pare-brise. Ou le pare-brise, il est grand. Et en plus, on fabrique des voitures de plus en plus avec un pare-brise. Il y a un niveau qui est mieux, le panoramique. Alors, pour sauter, tu as une vision d'ensemble sur l'avenir, sur le devant. L'arrière, de temps en temps, tu regardes. Pour voir combien tu as traversé cette distance. Mais tu ne peux pas. Regardez tout le temps dans le passé. Il y a une catégorie de musulmans qui vivent sur le passé. Nous sommes fiers de notre passé. Le passé est en nous, est en nous. Quand on parle, il y a l'héritage qui s'exprime. Mais on ne peut pas, c'est qu'il y a, vivre sur le passé, la nostalgie au passé. Au passé. Ya akhi, Allah yahmdik liyan. Ya akhi, quand on était. Ya akhi, on est mieux ici aujourd'hui. Ya ibadallah. أحد العلماء الغزالي رحمه الله
رد على أحد العلماء الذي حن إلى أيام هذا العقيقة فقيه معروف وخطيب ما شاء الله رحمه الله. فقال هذا الخطيب: يرحم الله الأيام التي كانت المرأة لا تخرج إلا لثلاث مواطن، من بطن أمها، ومن بيت أبيها لبيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى قبرها. فرد عليه الغزالي: سامحك الله يا شيخ فلان، لا رحم الله هذه الأيام. انت رحموا على هذه الأيام؟ واش هذا معقول؟ حنا ما يدخل فيها De cette chose, la femme n'a le droit qu'à être sortie. Elle sort du ventre de sa maman, elle sort de la maison de chez elle pour aller à son mari, elle sort de la maison de son mari pour aller à son au cimetière. Khallo ya Sheikh, la rahimallah hadhihi al-ayyam. La, mra tkhraj ya khoya, tkhraj bi hijabha wa waqarha wa 'iffatha, li'annaha aya min ayati Allah. Aya min ayati Allah. كما أن الرجل آية من آيات الله، الرجل يدعو والمرأة تدعو. إذا سلمنا بهذا الكلام وأن المرأة لا تخرج، متى تدعو هذه المرأة إلى الإسلام؟